Quelle est la largeur du fleuve? Si la distance entre A et B vaut 10 mètres, la distance entre C et D vaut 15 mètres et la distance entre B et D vaut 12 mètres. Voici les données. Ce qui est demandé, c'est la largeur du fleuve que nous désignons par X et que nous allons exprimer en mètres. Vu ces deux triangles OAB et OCD, nous sommes dans les hypothèses du théorème de Thalès et nous prenons comme grand triangle ce triangle OCD et comme petit triangle ce triangle OAB. Par application de la formule de Thalès, nous savons donc que grand, c'est-à-dire x plus 12, divisé par petit, c'est-à-dire x, est égal à grand, 15, divisé par petit, 10. 15 dixièmes, c'est la même chose que 3 demi. De cette équation-là, nous déduisons que 2 fois x plus 12 est égal à 3 fois x. Par conséquent, 2x plus 24 est égal à 3x. En mettant le 2x de l'autre côté du signe d'égalité, nous obtenons que 3x moins 2x est égal à 24, et donc x est égal à 24. La réponse finale, c'est donc que la largeur du fleuve est de 24 mètres.